Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Alors, il y a deux unités qui sont sorties que je surkiffe qu'on lors de Dokkan il n'y a pas longtemps. Comme vous savez, il y a le Mirai Gohan N qui est sorti sur la version Jap, donc qui est le leader pour la catégorie future. Qui comprend donc 7C18 et ce C17 là qui ont leur Dokkan il n'y a pas longtemps. Si t'as pas vu la vidéo analyse frérot sur les nouvelles unités qui sont sorties, n'hésite pas à cliquer ici. J'explique vraiment tout à propos de ces deux unités, pourquoi je les surkiffe. Là, je vais faire un rapide topo vite fait, mais franchement, hein, si tu veux le voir en détail, n'hésite pas à cliquer ici. Et à lâcher un petit pouce bleu, t'as qu'à faire si tu veux soutenir la chaîne, ça fait grave plaisir. Alors sur les stats, on n'a pas un truc folichon. Hein. Elle est à 100% ici, on a du 12 822 en attaque, du 9844 en défense et du 14 851 en HP. Donc au niveau de son passif en fait, elle transforme quand elle est en fait elle transforme un type de sphère de ki en sphère de ki agi, et quand elle passe sous la barre des 70%, ça va faire un espèce de cycle en fait. À la fin, vous allez transformer à terme deux types d'orbes de couleurs différentes en type agi, et ça c'est ouf. Et en plus, elle a un boost de 70% en attaque et en défense, c'est n'importe quoi. Faut passer sous la barre des 70%, mais comme j'expliquais, c'est largement faisable. Et le C17, il a à peu près la même mécanique, sauf que lui ça fait pas un cycle, il change deux types de sphères de ki en deux types différents. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. On est parti donc en double Mirai Gohan End, et on a pris un emplacement vide pour essayer de passer sous la barre des 70% avec un Saibaman le plus rapidement possible. On a le petit Goku Pui, Blue Pui et le Trunks LR, donc le nouveau Trunks et LR gratuit. Et let's go sur le Super 2 pour tester ces deux unités. Franchement, je suis assez curieux. Assez curieux de tester tout simplement. C'est dommage parce que les cyborgs n'ont pas de lien d'attaque entre eux. Il n'y a pas de lien exclusif aux cyborgs. Donc ils vont avoir Cruet qui vont s'activer. Mais tous les liens cyborg, c'est des liens soit boost de défense, soit boost de ki. Et je trouve ça assez dommage. Donc ici, on a le Mirai Gohan. Alors, on va essayer de réunir le C17 avec la C18. Donc voilà, on part en SP ici comme ça. Ça, c'est... On va devoir un peu travailler sur les rotations. Donc voilà, on a le petit Mirai Gohan. Qui d'ailleurs tank au fur et à mesure de la partie. Hein. C'est un des rares tanks pour le type end. Au bout d'un moment, à terme, il va arriver à 50% de réduction de défense. Alors comme vous voyez, elle a transformé énormément de ki. Je vais partir en spé. Si je crit, je vais le tuer. J'espère pas le tuer parce que je veux que le Saibaman... Alors là, donc on va avoir les dégâts sans le passif d'activer. Sans le passif. 751 000, ok. Pas mal. Elle a même pas son boost de 70% d'attaque. Ok. 750 000. Pas mal. J'aime beaucoup. Voilà, on prend du 30 000 là. Bon, ici, du coup, on va garder qui dans la rotation. Qui va-t-on garder? Bon, c'est pas très important. On va faire comme ça. Le plus important, c'est que au prochain tour, les deux frères et sœurs seront réunis. Tac. Putain, l'aspect du Gohan, je la trouve toujours autant magnifique. Tac, tac. Hop. Alors là, on n'a pas le passif d'activer, donc on va voir assez bien. Vous voyez tout. Oh, vous voyez plateau. Regardez le plateau. Il est incroyable, le plateau. Il y a deux types de couleurs de kit, trois types. Alors qu'il n'y a même pas encore le deuxième passif d'activer. Oh, ça va être... Quoique, en fait, je vais les séparer. Faut pas que je les garde dans la même team. Faut pas que je les garde dans le même tour. On les séparera après. Parce que je vais vous montrer. Parce que sinon, ils vont pas arrêter de transformer tous les kits. Ça va être n'importe quoi. Ça va être drôle. Du coup, là, on va avoir... On n'a pas encore le boost sur... sur les cyborgs, hein. On se prend que du 4000, faut quand même qu'on se prenne pas mal de dégâts là, faut que le Juba il nous mette pas mal de dégâts après. Alors du coup là, on n'a pas le boost de 70%. Il a fait du 1 500 000 sans le boost. Attendez, on a le boost là. Est-ce qu'on est... Non, on n'est pas sous 70% des HP. Hein. On est très loin d'être... Attendez, je crois que j'ai rêvé parce que s'il fait ça sans que son boost soit activé. Oh,
ce C17 là, parce que je descendais un peu ce C17, mais s'il fait ça sans son passif. Voilà, prochain tour on a passé d'activer là, c'est sûr. Donc là on va voir le passif d'activer. Ok, ok, ok. Oh là là là. Oh, c'est incroyable les gars. C'est incroyable. Ils ont transformé tout le terrain. On va voir, il va partir à combien le C17? Oh non, ça va 913, mais j'ai cru partir plus loin. Mais tout à l'heure, il est parti. Il a fait 1 500 000. Vas-y, crie. Je me demande, il monte à combien en cri. On a du 817 000. Je pensais que... Quand même, hein. Quand même, du 1 500 000 pour des changeurs de ki, hein. On a du 1 500 000 pour des changeurs de ki. Tout à l'heure, son passif, il devait être activé. Oh, ouais. Non, c'est, j'ai mal... Enfin, soit j'ai mal compris, soit son... Il y a eu un petit... Parce que... Faut voir à combien il fait en crit. Faut voir à combien il monte en crit. Il a un boost d'attaque et de défense de 70%. D'ailleurs, on n'a pas vu la défense. On ira la voir juste après. Iragoen qui monte à 1 million d'attaque. J'aurais dû pas partir en spa avec, en fait. Parce que si, il y en a un des deux qui crit. On va pas pouvoir... Alors, vous voyez, on a du 97 000 en défense pour la... Ah ouais, d'accord, quand même. Oh, du 97 000. Oh là 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 là. Ça, c'est parce qu'ils ont l'un des cyborgs d'activer. Sans l'un des cyborgs, il y en a combien? Même pas, hein. Ah ouais, d'accord, du 95 000 même sans lien. Oh. Alors, faut savoir qu'elle augmente sa défense de 30% pendant 3 tours. Je suis sur les fesses là, franchement sur le cul là, c'est incroyable. 95 000 de défense. Oh, oh les gars, jouez là. 95 000 de défense, même à 100%, jouez là. Regardez toute la... Oh. Vous avez vu tout ce qu'on a récupéré ou pas? À 100% avec le... Vous avez vu tout ce qu'on a récupéré? Comme HP, c'est n'importe quoi. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Alors je pense pas avoir désactivé leur passif pour ce tour-ci, j'espère pas. Non, alors, il y a encore du 817 000 du coup. Ah, on va voir partir en SP avec le 913 000, tac tac. Allez. Ok, bon. Oh là 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 là, le changement de kill, les gars, il est incroyable. Ce changement de kill, je sais pas si vous vous rendez compte ou pas, mais... Changer autant de sphères de ki, en fait, c'est juste dingue, en fait. Changer autant de sphères de ki, c'est juste dingue. Et après, si vous avez des persos 100% DR ou des LR comme celui-ci, par exemple, vous allez pouvoir passer très facilement en SP. On va mettre le Goku ici, parce que on va essayer de baisser nos HP. Alors, j'espère qu'il va me SP pour une fois. quand on veut qu'il nous SP, il nous SP pas, hein, c'est incroyable. Ah, voilà. Une petite spé. 19 000. Il a fait du combien là? Il a vu du 4 millions? Attendez. Il a fait du 4 millions là? Oh, aïe 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 aïe. Alors voilà, là on n'est pas parti en SP, on a du 74 000 en défense, comme quoi le partir deux fois en SP, donc 30%, 30%, le 60%, il nous rajoute 20 000 de def à terme. Attendez, j'ai raconté n'importe quoi moi. Mais attendez, elle a pas son passif d'activer, son passif il est de 70%. Quand elle a moins de 70% de ses HP. C'est-à-dire qu'avec son boost de 70%, elle gagne seulement 20 000 de défense. Ça doit être ça, ouais. Ok, d'accord, je pensais qu'elle gagnait plus. Enfin, quoique, on est peut-être sous la barre des... Est-ce qu'on est sous la barre des 70%? Je ne pense pas. 300 000... Attendez, 300... 210... Non, bah non. En dessous de 210 000, on aurait été en dessous, mais non. Du coup, non.
Ok, bah écoute, on va finir cette vidéo sur un petit Dokkan Mode, ça fait plaisir. Combien on va taper un Dokkan Mode? J'aurais dû partir avec le. Avec le. Le Junanago, le C17. J'aurais dû partir avec. Un spec qui est magnifique, toujours autant. Pour ceux qui connaissent DB Fighters, ils ont exactement la même. Et du 300. 3 310 000 qui tombent. Ça fait grave plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à bombarder les likes, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifs pour savoir quand je suis en live. On live souvent. Parce que c'est vrai qu'on carbure niveau vidéo. Donc en ce moment, donc des fois, je suis fatigué, tout ça. Mais on essaie de laver un maximum. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.